Et donc pour le défi du jour, Usul, je t'ai choisi un jeu d'infiltration, un genre de jeu que tu affectionnes particulièrement. Je t'ai vu jouer à Metal Gear Solid 3, ça ressemblait à Ikari Warrior. Mmh. Et donc tu vas devoir faire le premier chapitre de Hitman, le premier, en 2 heures. Que j'ai jamais fait, je connais pas du tout Hitman. C'est ça, en mode hard. Le chapitre c'est long ? Non, moi je l'ai fait. Je connais pas du tout la série des Hitman, j'ai fait aucun épisode de la série des Hitman. Oh, c'est moche. Oh, comme c'est moche. Bon, on s'en fout. Voilà, j'ai fait échappe, on y va. Voilà, ok. Bam. Pourquoi il s'est baissé ? He's ok. Et donc, je peux prendre du coup... Pourquoi il se baisse à chaque fois ? Alors... Je vais appuyer sur F pour quitter le mode discrétion, Usul. Ah, ok, d'accord. Ok, le mode discrétion, j'ai compris. Donc là, c'est bon. Non, c'est pas bon. En fait, on va t'expliquer un peu le gameplay, Usul. Tu peux pas ouvrir les portes quand t'es à 10 000 km d'elle. Faut que tu sois en face de la porte et collé à la porte pour pouvoir l'ouvrir. Ah, c'est subtil, le truc. Ça va être laborieux, cette histoire. En mode dur, en plus. Je sais pas s'il fallait que je le bute ou pas. Prendre vêtements. Ah ouais, je peux prendre ses vêtements. Donc maintenant, je suis un agent de nettoyage. He's ok. I'm a friend of you. On s'en fout. C'est super, parce que du coup, je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse. Donc... Exact, tu viens complètement de zapper le briefing de la mission. Non, mais c'est pas grave, c'est tout droit, de toute façon. Ah. Non, attends, je vais avoir le briefing, je l'ai forcément là. Éliminer le négociateur du dragon rouge, se rendre au point de rendez-vous, récompense 13 000 $. J'imagine que ça doit être un chinois. Bon, on va marcher, hein. À un moment il y aura bien des chinois. Et... Pourquoi est-ce que j'ai choisi Hitman ? C'est parce que donc, on s'est penché sur les résultats du test VIPED d'Usul, et il s'est avéré qu'il avait un très mauvais score en intelligence et en perception. Donc j'ai fait exprès de choisir un jeu qui réclamait ces deux compétences-là, mais pas exclusivement. C'est-à-dire que j'avais pensé à des trucs beaucoup plus tordus à ce niveau-là, donc du puzzle game ou des trucs comme ça, mais là je savais que Usul, il serait complètement largué, ça aurait été un peu méchant pour lui, et ça l'aurait pas fait progresser justement dans ses données VIPED. Donc j'ai choisi Hitman parce que c'est quand même un peu de la bagarre et qu'il aime bien la bagarre. Ah, une voiture qui est arrivée, il y a une cinématique. Donc là, il y en a plein des Chinois, là, il n'y a pas de souci. Comment ils ont fait pour rentrer tous dans cette voiture ? Ah, il y a d'autres Chinois. Ah oui, donc c'est forcément dans le petit jardin au milieu, ils vont se rencontrer. Mais c'est que des lotus bleus, vu qu'ils sont en bleu. Donc c'est pas eux qu'il faut tuer les dragons rouges. Et à quoi tu reconnais un négociateur ? Hop, il a un truc rouge marqué. Vas-y, je vais le buter. Toi, tu sautes ? Non. Ah, si. Un hélicoptère ennemi est en chemin. Ah ouais, ils vous ont envoyé carrément direct les hélicoptères. Ah ouais, bon bah ils rigolent pas. Mon arme, elle a pas d'arme. Attends. Ouais. Est-ce que le briefing de mission, il permet aussi d'acheter du matériel, dont des munitions ? C'est pour ça que je suis en galère. D'accord, donc là, j'ai du blanc. Ça veut dire que je suis mort, je crois. Négociateur de... Ah oui, puis il me donne les photos des gars, qu'on les retrouve un peu. Ah, et puis une petite map. D'accord, c'est pendant le briefing, tout ça. Ok. Donc moi, je suis là, le lieu de rendez-vous, on a repéré bien où c'était, de toute façon, il n'y a pas de problème. Et je peux acheter des trucs avec des machins. Fusil à lunettes, voilà, on s'achète des trucs de fusil à lunettes. Ça, c'est des munitions, du coup, j'imagine. Le jardin, il est par là. Il peut pas grimper. Il a pas des... Avance. Marche plus. Peut-être que... Il veut plus avancer. Ah, putain, j'ai dû faire alt et mage en même temps. Il est passé en QWERTY. Je sais pas. Ouais, c'est ça. C'est ça, j'ai fait halt et... Bah non. Ah non, mais c'est juste que là, je suis face à un mur invisible, c'est pour ça qu'il veut pas avancer depuis tout à l'heure. Si je vais là, il court. Ok. Les murs invisibles, c'est pour ça. On va essayer de grimper sur les immeubles, c'est ça qu'ils font les tueurs. Là, j'ai mon... fusil de précision. Tu peux déplier ton truc, voilà. Là, vous voyez, il déplie son... Ah, impressionnant. Les autres gars arrivent, et donc faut que je bute le gars en rouge. Ah, il est peut-être là. Ah, oh, c'est où, là ? Ok. D'accord, bon, bah, on va... Oh, merde ! D'accord. C'est lui, là, le chinois, là. Bam. He's ok ?
Un hélicoptère ennemi. Mais oui, mais j'ai tué le gars ou pas? Ah bah attends, pour savoir, il suffit de faire F... attends, moi, je... Compte rendu de mission. Assassiné, ok. Le négociateur du Lotus Bleu doit rester en vie. Donc j'imagine que le gars de l'hélico, il va vouloir descendre le gars du Lotus Bleu. Si tout se passe comme j'imagine. Donc on prend le... On va reprendre le fusil et essayer de descendre lui, là. Tiens. Rigolo, ça. C'est bon, la mission? C'est bon, hein. On va redescendre, peut-être. C'est l'occasion... de prendre le hardballer. Oula, 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 oula. Non, je suis furtif, là. Je suis furtif, là. He's okay, he's okay. He's pas okay du tout. Alerte, alerte, t'es dans la merde. Attends, j'allais prendre le... Cours, débile. Voilà, c'est bon, je vais me cacher. Ils pourront jamais me choper, c'est pas du tout une ruelle, ça. Voilà. Bon, bah ça va être simple. C'est ça qu'il faut que je fasse juste. J'ai 2 heures pour faire ça? Ou il y a d'autres trucs après? Je suis sûr qu'il y a d'autres trucs après. Bah oui, c'est évident. C'est évident. Qu'est-ce qui se passe? C'est lui. Hey! Alors cette première mission, j'ai galéré parce que j'ai jamais joué à Hitman, moi je savais pas qu'il fallait faire tout ça. Je savais pas que ça allait être si compliqué. Et encore là, en fait, c'était pas compliqué. J'ai juste galéré à tirer. À la première erreur, t'es sanctionné parce que le gars dans l'hélicoptère, il te tue. C'est pas très sympa. Tu rates un tir, tu meurs, c'est quand même assez cruel, moi, je trouve. Et puis ça bouge tout le temps, et les gars, et tout, non, c'est... Je crois que j'avais plus de balles. Oh, c'est bien, Isil, tu te débrouilles bien, hein, t'es dans les temps. Mais j'ai pas compris ce qu'il faut que je fasse après, quoi. Genre défendre le gars du Lotus Bleu, je sais pas quoi. He's ok, là on va pas le louper. Ah si. Allez, crève! Ouais, bah il est mort là. Ah non, commence pas! On va recommencer, c'est pas grave. Ah! Ah! Il est encore mort! Bah, genre, t'es plus fort que les balles? Je l'ai touché, il y a une petite gerbe de sang. Faut le toucher à la tête, quoi. Ok, je vois. T'es passé à deux doigts de réussir la mission tout à l'heure, la première fois. T'as failli m'impressionner. Bah moi aussi j'ai failli m'impressionner. Mais je sais pas, parce qu'après je sais pas ce qu'il allait me demander de faire. C'était écrit dans le truc de la mission, tu dois juste retourner à la bagnole. Ah bon? Oui. Ah ouais, bon, bah on va retenter en furtif alors, si j'étais pas loin de tout à l'heure. Faut viser la tête, et si tu rates ton... T'as qu'un tir quoi contre le gars de l'hélico, t'as qu'un tir, tu le rates, t'es mort. C'est austère. Puis là, quand je touche pas, ça fait ça, quoi. Allez, vise! Et là, je vois sa tête. Je vois sa sale tête. Vas-y. Et bam, dans ta gueule. C'est vrai que c'est marrant quand ça marche. Et il me voit, lui. Il me voit complètement. Bah, ouais, complètement. Clic! Ah, oh! Ah, ah, oh, ouf! Là, je l'ai tué, là, le gars, quand même, hein. Je vais attendre qu'il bouge pas, c'est quand même plus simple. Ah merde! Cours pas comme ça, toi, t'es où? Tiens. Bon, j'ai pas tué le gars, j'ai tué le gars de l'hélico, c'est bien. Bon, il est où le gars des triades, là, le gars en rouge? Il a couru, mais il est allé où? Échec de la mission, appuyez sur... Ok. Je suis pas très fort, hein. Pas trop, non. D'accord, ça fait déjà 40 minutes que je suis sur ce niveau 1, en fait. Ok. J'aurais pu bloquer dans le tutoriel. Hein. Je le voyais plus galérer sur les missions 2 ou 3, où là, faut faire des trucs un peu plus compliqués, genre voir quel type on va tuer pour prendre son costume, pour s'approcher de la cible et tout ça. Et là où il n'y avait pas besoin de finesse de ce genre-là, il a déjà galéré comme un chien. Dans ta race. Ouais, maintenant, faut que tu reviennes là où t'as commencé. Ouais, mais attends, il y a l'hélico d'abord. Oui, j'ai fait les deux, là. Maintenant, faut repartir d'ici, quoi. Non, mais les gars, ils sont là.
Je les vois là, je peux les buter, je peux leur buter les pieds. Je peux les emmerder un peu. Tiens, c'est chiant hein. Ah, ils m'ont vu. Non, ils vont prendre l'ascenseur. Pas lui déjà. Eh hey, oh. Toi, t'es froid. Mais pourtant, le premier try d'Usul était très bon. Il est tout de suite monté sur le toit. Il a tout de suite tué la cible, la bonne. Et il a réussi, il a compris tout de suite que le type en hélicoptère, fallait lui tirer dessus pour qu'il meure aussi. Mais après, il a perdu les pédales. Je sais pas ce qu'il a fait. Il a voulu tuer tout le monde. Même un moment où il s'est jeté du toit. Quoi, tu veux rester bloqué là? Je pensais pas que c'était possible, je croyais qu'il y avait des murs invisibles aussi, quoi, qu'ils étaient partis sur on fait des murs invisibles et que c'était bon. En fait, quand tu remets ton fusil dans la mallette, les gens ils repèrent pas que t'es un tueur après vu que t'as juste une mallette. C'est quand t'as une arme de sortie qui se mettait à te tirer dessus. Faut pas avoir l'air louche. Mais là j'avais pas l'air louche, j'étais dans mon toit. Mais quand tu redescends. Ah, tu peux avoir l'air cool, t'inquiète, il s'est rien passé en descendant. Alors que t'as une tête de chauve, t'es en costard, t'es trop inquiétant, mais eux ils font « Ah non, c'est normal. » C'est une mauvaise idée, ça. Juste, c'est un truc que j'ai repéré beaucoup quand ils jouent aux jeux vidéo, il y a des liens qui se font pas, parfois. C'est, genre là, la mallette, par exemple, c'est... Il a pas compris que remettre le fusil dans la mallette, ça permettait d'être incognito dans la rue. C'est... Je sais pas, c'est des choses qui semblent être logiques, vu qu'à partir du moment où tu vois que tu peux remettre le fusil dans la mallette, tu testes un peu ce qui se passe dans les jeux pour voir, et puis... Usul, non, c'est comme là, tout le temps d'attente, il l'a passé réellement à attendre. Dans toutes les missions, faut attendre comme ça? Ouais. Généralement, c'est du temps qui te sert du repérage pour bien prendre ta place, savoir où faut aller... J'ai pris ma place, là. Oui, c'est parce que maintenant tu sais. Alors que le principe d'Hitman, c'est aussi le temps qu'on te donne avant que ta cible apparaisse, c'est repérer les lieux, voir quel est l'endroit optimal pour tuer sa cible et pouvoir repartir, c'est... Non, lui, il voulait tirer. Et merde! Mais ce qui m'a fait galérer, c'est le... Déjà, j'ai tracé le texte comme un bourrin, donc histoire, je me suis dit, je vais gagner trop de temps comme ça si je trace tout le texte. Non, j'ai pas gagné du temps, j'aurais peut-être mieux fait de lire un peu ce qu'on me demandait. Et oui, il y a des mécaniques que j'avais pas comprises, comme cette histoire de mallette, mais c'est pas évident. Moi, je le trouve de toute façon très louche, ce gars, même mallette ou pas mallette. Plus jamais un jeu comme ça. C'est juste chiant, c'est juste ce que j'aime pas dans les jeux, c'est pour ça que je joue pas à des jeux comme ça. Oui, c'est rigolo de le voir jouer, et ce qui est bien, c'est qu'il a développé une grosse mauvaise foi autour du jeu, parce que Hitman, c'est clairement un bon jeu. Certes, un jeu où il faut attendre, et je sais qu'Usul déteste ça, c'est aussi pour ça que j'ai choisi le jeu, exprès pour l'énerver, parce que c'est un peu le principe du défi du challenge, hein. On se picote un peu l'un l'autre, et on fait des trucs comme ça. Et ça a bien marché comme je l'espérais, il est devenu fou, le pauvre. On peut faire des repérages, si tu veux. Genre, voilà le truc intéressant à faire, même dans la vie, t'as pas envie de faire des repérages, quoi. Pourquoi tu ferais un jeu pour faire des repérages? Dès qu'on me demande des trucs compliqués, je comprends pas ce qu'on me demande. Je comprends pas, là, j'arrive pas à intégrer des trucs que les développeurs te demandent et qu'ils essaient de te faire comprendre des fois, mais moi je comprends pas. Je comprends pas, j'aime bien quand c'est simple et que... Même si c'est dur, j'aime bien que ce soit simple et dur. Et là, c'est con, parce qu'en fait, rétrospectivement, je me dis que cette première mission, elle est pas dure. Elle est pas dure, faut tirer sur le gars, et puis ensuite tu tires sur l'autre gars, et tu t'en vas. Mais il y a toutes les mécaniques que j'ai dû apprendre au fur et à mesure. J'ai pas compris la logique, j'ai pas compris les mécanismes. J'étais perdu dans un truc où je comprenais pas les règles, même, du jeu. Tu as exactement 6 minutes pour finir cette mission, Usul. Ah, c'est short. On va peut-être prendre l'ascenseur, alors. Je sais pas, ouais. C'est pas le même ascenseur, celui-là ? Ah oui, et j'ai laissé la boîte en bas, d'accord, donc fallait pas. La mallette. Merde, mais quel con, j'ai pas fait exprès le zoom. On peut faire ça, hein. Au moins il est mort. Au moins il est mort. Lui et son petit copain, là. Alors attends. Ah, merde. Putain. Il est chiant, lui. Ça fait une heure que je suis dessus. Sur le premier niveau. Ouais, c'est ça. D'accord.
C'est à peu près 6 fois plus que le temps normal que ça réclame. La mallette, vas-y comme c'est chiant. Même il ouvre sa mallette, c'est chiant, tout est chiant. Il fait un temps de merde. Les textures c'est moche, tout est moche et chiant. Super un jeu d'attente aussi. Et on attend encore. He's ok. L'hélico. He's ok. Donc là, on remet dans la mallette et on sort l'air de rien. Où est ma putain de voiture maintenant? Ça va être ça l'épreuve. C'est qui le meilleur? Bravo Usul. T'as mis une heure pour finir la première mission. Moi j'ai tout mon temps. Bon, du coup ça va pas être faisable de faire tout le chapitre en 2 heures. Vu que t'as pris une heure pour la première mission. Du coup, pour ton... après la pause, tu vas reprendre directement la dernière mission. Ah, t'as une sauvegarde de prête? J'ai une sauvegarde de prête. Ah, donc dernière mission. Dernière mission. C'est la plus rigolote, tu m'as choisi. C'est la plus rigolote. Il faut bien attendre bien longtemps. Le seul élément de gameplay que t'as pas eu à utiliser encore et qu'il va falloir utiliser, c'est que tu vas devoir parler à des gens. Il y a des phases de dialogue. Is ok. Trouver la combinaison du coffre, trouver l'emplacement du coffre, livrer la statuette de Jade à l'apothicaire du complexe. Ah oui, non, c'est grand. Oh putain, c'est donc... C'est quoi, ça correspond? Ça, c'est Lyong. C'est Lyong. Bon, on verra, faut parler aux gens, apparemment. Donc, allons-y. Ah, j'ai pas fait les achats d'armes. On va faire des repérages, comme tu dis. Bonjour, je repère. Ta gueule. Crève de ta mort. De ta belle mort, voilà. Et comme ça, je lui prends son flingue, ça me fera au moins un flingue, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des gens. Faut déplacer le cadavre, peut-être. Prendre vêtements. Ah ouais, genre. Je suis comme vous, je suis un chinois. Y a pas de problème. Salut. We don't see many Europeans in this part of Hong Kong. Ah, il a grillé que j'étais européen. Il y a du papier en train de voler en l'air et il faut que tu le récupères. Du papier en train de voler en l'air? Qui normalement devrait être sur le bar. Bah écoute, je crois que je vais pas avoir le temps. Hein. Je crois que voilà, hein. Je crois que ça va être tendu. Voilà, on va aller par là. Je pense qu'ils ont trouvé le cadavre du garde que tu as tué. Ah ouais, mais c'est pour ça. C'est pour ça que du coup je suis mort. Ok, ils ok, y a pas de souci. On va prendre des mieux armes. Oh, y a plein de trucs. Combinaison Kevlar, c'est bien ça, ça fait des... Je serais beau. Voilà. C'est bon. Achète des munitions. Ah, j'ai oublié les munitions. Plein d'armes vides. Ah ouais, j'ai pas de munitions, quoi. Attention, je suis très dangereux, les gars. Si tu les menaces avec ça... Un salon de massage, hein. Encore une fois, faut que tu récupères l'objet que va te donner le barman. Mais il me donne rien à chaque fois. Ah si. Invitation. Il me l'a peut-être pas donné tout à l'heure parce que j'avais pas le bon costume. Par contre, lui, il est vraiment tout seul. Allez, la corde, là! C'est encore pire que la première fois, hein, Dorian. C'est pire que la première mission, ça. Ça va être atroce. Quoi? J'ai rien dit, là. Alors, les munitions, elles sont où? Elles sont là, voilà. Ah, il y a un silencieux. C'est bien, c'est ça, c'est bien. Donc on résume. On va voir le barman, on lui prend son petit papier, on va au salon de massage, on trouve où il est, et on fait pas le mariole avec la corde à piano, ça sert à rien. Ah! Good choice, sir. Un petit gros. Take your time, you will enjoy this. Bah ok. Bon, manifestement, c'est pas là. Toi, t'es pas content qu'on vienne dans ta chambre. Je peux comprendre, je n'avais rien à faire là, je suis désolé. Mais... Ok... T'étais sur la bonne voie. Oui, sans doute. La
t'as oublié ce qu'on était en train de chercher. Bah un coffre. Je sais bien que je veux qu'on cherche un coffre. Mais non, tu cherches à te faire masser. Ah, un truc cochon. Mais le gars là, il voulait pas me masser, hein. C'est pas que j'ai oublié ce que j'étais venu faire, c'est juste que je sais pas où c'est tout. C'est super grand votre truc, c'est fait exprès pour qu'on se perde. Voilà, j'ai encore pas où je suis. Leave immediately. Ah, faut peut-être lui parler. Bon, on la suit. Tu me m'emmerdes pas, toi, voilà. I see. Well, help me out of here, and I might have some information for you. Okay. It's a deal. It's a deal. J'adore comment elle court. Restricted area. Leave immediately. Quoi? This guy is... Hein? Hey! Hey, elle est où mon arme? Hey! Comment on recharge? Clique sur la manette pour recharger. Je vais me déguiser en chinois. Tirer dans la poubelle, pardon. Waouh, waouh, waouh. Ok. Elle est où la dame? Hey, 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 foutez-moi la paix, putain, je cherche. Oh, c'est mort. C'est mort. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Moi non plus, j'ai pas compris ce qui s'est passé. Il y a des mecs qui sont arrivés. Oh, faut tous retaper les trucs chiants d'avant. T'as pas à te retaper le briefing. Là, tu peux le zapper directement. Toutes les munitions que t'as achetées, elles seront encore achetées. Mais c'est pas la question. Ce que je te dis, c'est que je vais tout me retaper et aller chercher la chinoise et tout. Oh là 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 là, comme c'est casse-couille. Tu te rends compte? Il y a pas un checkpoint dans leur truc, quoi. Et faut parler au barman, il te file son papier. Et faut parler... C'est pas marrant. C'est unfun. The exact opposite of fun. This place seems quiet. Tais-toi donc. Est-ce que je pensais que Usul galérerait autant? Non. Franchement, non. Je m'étais basé donc sur ses résultats VIPED qui ont montré leur fiabilité. Je savais qu'il aurait du mal. Je savais aussi qu'il réussirait à s'acharner comme il l'a fait, c'est-à-dire mourir en boucle sur une seule mission et recommencer là où moi j'aurais abandonné. Mais surtout, ce qui m'a surpris, c'est que je pensais pas que le jeu se rendrait aussi désagréable à Usul. Ce qui fait que nous-mêmes, on n'a pas passé un moment extraordinaire, parce qu'on a vu juste Usul vivre un mauvais moment sur un jeu qu'il n'aime pas. Regardez, vas-y que je la suis et qu'elle marche pas vite. Ouais, mais je peux rentrer quand même. Attention, alors là... Merde, merde, j'ai pas pris la bonne arme, j'ai pas pris... J'ai pas de munitions. C'est bon, hein, ça s'est bien passé. Ok, arrête. On va où maintenant? Dis-moi. Ah oui, l'échelle. Viens, magne-toi. Non, 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 non. Mais magne-toi, c'est par là, on a dit. Je t'ai vu le faire tout à l'heure. Quoi? Pourquoi tu te barres? Pourquoi tu te barres? Pourquoi elle se barre? Et la combinaison du coffre, je la trouve tout seul? Le mieux, c'est peut-être de te déguiser en chinois avant d'aller voir la chinoise, pour qu'ils te laissent passer les gardes après, si t'es comme eux. Tiens, tu sais ce que je vais faire? Je vais y aller en force à partir de maintenant.
super costume. Un Beretta, oui, si tu veux. Je voulais le costume, moi. C'est une meuf. Ah, c'est une meuf, je rentre pas dans son costume. T'as des flingues à la main, là. Ouais, je sais, je tue tout le monde. Sauf s'il tire dans mon dos, d'abord. En effet. Wouah, ça, c'était classe. Eh, c'est cool d'en avoir deux, tu tires plus. Range tes armes, maintenant. Range tes armes, maintenant... Et oui. Ouais, mais je mets tellement de temps à les sortir que ça m'énerve de ranger mes armes. Alors tes conseils de merde, Dorian. Allez, monte-toi. C'était pour que tu passes incognito. Ouais. À quoi ça servait de ranger ses armes avant de monter à l'échelle alors qu'après t'as lui, là. Voilà. C'est pas très agressif à la base. Hein? Ouais, suis la meuf. Moi, je suis très agressif à la base. Ouais, je vois ça, t'as plus de vie. Ouais. 1%? C'est vrai? C'est pas beaucoup. Et je pensais qu'il serait perdu. Effectivement, c'était un peu le but de l'exercice, le forcer à fouiller, vu que lui, c'est un exercice où il est pas à l'aise. Mais je pensais pas qu'il serait perdu et pas discret, ce qui fait que ça rendrait le jeu encore moins facile, vu que t'as des ennemis qui tirent dessus quand tu dois chercher. C'était... Ouais, c'était surprenamment désagréable pour Usul, donc pour nous aussi. Et je pensais pas qu'il galérerait autant, vraiment pas. Je cherche le coffre. J'avais fait des repérages, je l'avais trouvé tout à l'heure, mais... On a fait ton chemin, du coup. Mais non, le chemin, fallait que je passe... Je grimpe une échelle et il veut plus la grimper, maintenant. Oui, mais... Hey, salut. Refais toute la mission. Bon, elle est nulle, cette mission. Il me reste combien de temps? Il te reste du temps, là, t'as encore 40 minutes. 40 minutes? Ça fait que 20 minutes que j'y suis? Ouais. Ça a l'air d'être une éternité. Ah ouais, prendre la combinaison du coffre. Toi aussi tu m'énerves, ça. Du coup je vais corser le challenge, je vais faire ça en force. Vu que j'ai la combinaison du coffre, maintenant on va rigoler. Là il y a un gars ici. Monsieur, je suis désolé. Voilà. Ensuite il y a un gars là. Voilà, toi c'est pareil, t'es mort. Merde, serrure verrouillée. Putain, t'as pas la clé, toi? On verra bien, hein, on va tuer tout le monde. Te faire foutre. Putain, le v'là le coffre. Prendre statuette en jade. Et faut que je la porte où? Je sais plus. Moi je pense que j'aurais été puni beaucoup plus vite dans les scènes de bagarre. Parce que c'est vrai que c'est dur et que en mode hard justement les ennemis te tuent très vite. Et là il a réussi à en tuer plein. C'est un massacre de chinois. Y'a que ça de rigolo. Donc je le fais. Moment j'étais voilà j'ai quand j'étais dans les sous-sols là je me demandais c'était vraiment affreux je me disais vraiment mais je vais où là c'est immense j'étais désorienté perdu et plus j'avançais dans les couloirs des souterrains à un moment j'ai trouvé un ascenseur trop bien un ascenseur ça veut dire qu'il y a d'autres niveaux c'est encore plus grand. Il y a des mecs sympas. Ah, vous êtes où? On ne sait pas. Bon. Compte rendu de mission, c'était nul. L'apothicaire, il est où l'apothicaire? Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Le gars, il est super loin. Eh, profites-en pour te manier, toi, jusqu'à l'échelle. Il était pas si loin, hein. Ça, c'est le mode hard qui rend ça un peu dur aussi.
Il n'y avait personne. Bon, on va retenter le... Vas-y avec le silencieux, plutôt. Ouais. On va prendre ses vêtements. Non. Déplacé, il la met où? Oula, qu'est-ce qu'il lui fait, là? Qu'est-ce que tu lui fais? Hein? Ah, d'accord. Non, bon, on va te laisser là, hein. C'était très bien. Tu veux dire ton arme? Non, 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 là, je tue tout, là. Là, j'en ai marre. Je suis désolé. Quand je suis parti en mode fâché, c'est le mode fâché. Si j'avais fait la mission en mode furtif, machin, comme certains, j'imagine, auraient pris du plaisir à le faire. Genre, là, je change de costume et tout, là, c'est trop cool. Moi, j'aurais juste fait, c'est chiant. Ça m'amuse pas, ça. Là, il y a le coffre. Et un mec, je crois. Furtivité 2000. Ah, c'est pas mal comme furtivité, ça, hein. Ça trouve le cul. Il est où, l'apothicaire? C'est qui, l'apothicaire? Serrure verrouillée. Mais j'ai le code. J'ai pas pris le code. J'ai pas pris le code sur le cadavre de la meuf. Ah ouais, non, merde, ça c'est un problème, ça. Ça c'est un vrai problème, par exemple. T'as pas pris le code? Mais j'ai l'impression que il veut pas. Molette. Code du coffre. Ah ouais, aussi. Combinaison du coffre. Fallait juste que je l'équipe, je pense. Ça y est, j'ai plus de vie. Alors, combinaison du code. Du coffre, pardon. Serrure verrouillée. J'ai la combinaison. Vous vous foutez, je l'ai même équipé, quoi. Mes moments préférés, bah, c'est les moments où il y allait avec deux guns et il tirait sur tout le monde, forcément. C'est là où c'était le plus drôle. Et il a été prêt de réussir avec cette technique-là, ce qui est faisable, encore une fois. Je pense que c'est faisable en étant bourrin comme ça, mais faut être fort. Très fort, du coup. Et de toute évidence, Usul, là, n'était pas assez. Pas pour passer en bourrin, en tout cas. J'aurais pas été capable non plus de le faire comme ça, de toute manière. Il te reste 20 minutes. 20 minutes. Welcome on... I'm gonna roll. Roll. Lui va redire welcome, honorable. Welcome, honorable guys. Honorable guys. Toi, t'as pris parce que je suis mauvais poil. Toi aussi. Donc. En fait, c'est vrai que j'ai pas fait très subtil et que j'ai souvent sorti les armes parce que c'était aussi un moyen pour moi de moins me faire chier. Si en plus il avait fallu que je tue personne, que je passe mon temps à chercher, ça veut dire que c'est quoi? C'est une mission où t'arrives, tu discutes un peu, tu suis la meuf, tu tues personne, c'est chiant, ensuite tu te redéguises, C'est chiant, c'est pas rigolo. Rigolo, c'est pas ça. Rigolo, c'est tirer des balles dans la tête aux gens. Donc moi, j'ai tiré des balles dans la tête aux gens pour que ce soit un peu rigolo. C'est là où j'avais galéré pour trouver le coffre. Ah, mais il y a plusieurs coffres, ça se trouve. Mais comment tu fais pour t'y retrouver? Bah non! T'as pas de map, t'as rien. Ouais, c'est pour ça que c'est utile de faire du repérage. Non, mais le repérage, ça fait une heure que je tourne, je connais, quoi. Ça fait combien de temps que je tourne? Là, ça va faire à peu près 45 minutes, 50 minutes que tu tournes. Je t'ai dit que j'aimais pas trop ce jeu. Oui, tu l'as dit. Mmh. C'est pour ça. Franchement, je trouve pas ça faisable, quoi. C'est trop grand, je me plombe tout le temps, je sais pas où... Même si je trouve le coffre, après je le trouve où, Yu Yong, là. J'en sais rien du tout. Du coup, je trouve que c'était un... A posteriori, un très mauvais choix de jeu, parce que je pensais lui proposer quelque chose de dur, mais qui serait pas mission impossible. Et là, il s'est révélé que c'était vraiment le genre de jeu qu'il fallait pas proposer à Usul. Tiens, Hitman, il y a un peu de phase de recherche, un peu de bagarre, il devrait pouvoir s'en tirer. Mais il s'est avéré que les phases de recherche ont vraiment été un mur indépassable. Serrure verrouillée. Et j'en ai ras le cul, il y avait plein de coffres, c'est pas les bons. Je crois que j'ai vu au moins 3 coffres différents. La statuette, elle est dans... En fait, il y a plusieurs coffres, et la statuette change de coffre chaque fois que tu recommences la partie pour te forcer à fouiller. Et une fois que tu la trouves, tu la donnes à l'apothicaire, il te donne du poison pour empoisonner Liong, et ça va tout seul, normalement.
Je suis sûr qu'il est là, Wang Chi. Dès que j'aurai ouvert cette porte... Bon, j'ai trouvé Wang Chi. Serrure verrouillée. Une vache dans un couloir. Ça va être ton dernier try, mon Benozul. Donne tout ce que t'as. Il ne reste plus grand chose. Encore une fois, le fait que le jeu se soit rendu désagréable au point que ça devienne une souffrance pour lui d'y jouer, c'est ce qui me surprend le plus dans cette partie. J'ai jamais vu quelqu'un souffrir en jouant à un jeu. Surtout un jeu qui n'est pas, a priori, un jeu mal designé. Non mais il y a trop de coffres. Il y a au moins 3 coffres différents. Et déjà, quand j'en trouve un, je suis trop content parce que je sais jamais où ils sont. C'est jamais le bon. Si, ça a été le bon une fois. Et après, fallait que je trouve un apothicaire que je savais pas où ils étaient, il était où. Est-ce que c'est toujours pas où est l'apothicaire? Bah ouais, je sais pas qui c'est. Puis va distinguer un apothicaire d'un autre. L'apothicaire, il est à côté du restaurant, c'est un petit chinois tout mignon. Et il est au niveau des cuisines restaurant, il y a une petite pièce à côté avec un petit chinois, un vieux chinois. Un apothicaire comme dans Gremlins, quoi. Non, franchement. Je clique sur les trucs parce que... C'est vrai que le niveau est limbératique, mais là Usul il s'est retrouvé à prendre des portes, il en a pris plein, il a vu beaucoup du niveau. J'ai fait toute cette mission là sans voir le jardin, par exemple, je savais même pas qu'il y avait un jardin. Et il a pas pris la porte où il y a l'apothicaire. Dommage. Ça l'aurait aidé, il aurait pu faire un try où il aurait avancé jusqu'au moment où Liong arrive au restaurant, où tu peux l'empoisonner. Et là ça aurait un peu débloqué le truc, il aurait pu se dire ok, mais non. Je pense que mon dernier passage... Ça va être un passage en force. D'où tu vas, toi? Super costaud, d'elle, hein. Elle a fait la danse de J'évite les balles. Ouais, ça marche. Elle fait comme les cow-boys aux gens qu'ils aiment pas, tu l'as fait danser. Reçu la combinaison du coffre. Un coffre. C'est pas le bon. Bah oui, parce que le bon, c'est pas celui qui est dans l'entrepôt. Bilan pour le Vipède, c'est très bien au niveau de l'endurance. Il a montré vraiment qu'il méritait son score Vipède en endurance. Et il a montré aussi qu'il méritait son score Vipède en intelligence et en perception, vu qu'il s'est perdu de manière flagrante et qu'il a eu du mal à saisir ce que le jeu lui demandait aussi. Ah putain! Oh! Devant le coffre! Je sais pas si c'était le bon. Bon, c'était mon dernier try du coup. Même quand j'avais la statuette, je voyais qu'il me restait plus de vie. Et ça, c'est le mode hard. Tu fais une ou deux erreurs, tu te prends 3 balles et voilà quoi. Donc, je savais que ça allait être dur et franchement, je crois que j'y ai pas cru tout le long. Tout le long, j'y arrivais pas. Et même à la fin, quand je savais à peu près ce qu'il fallait faire, chercher le. Quand il fallait chercher la... Même quand j'avais la statuette, je me disais, j'ai la statuette, mais je vais me faire buter au prochain couloir. Ou l'apothicaire, j'ai jamais trouvé l'apothicaire. Fallait trouver l'apothicaire, je n'ai pas trouvé l'apothicaire, donc... Pas plus que j'ai trouvé le bon coffre et donc la statuette une fois. Sur une heure, quoi, sur une heure de try du truc, j'en ai fait trop, et j'ai trouvé la statuette une fois et jamais l'apothicaire. Et au début, j'ai passé pas mal de temps à... Au début, j'ai passé pas mal de temps à tourner, à essayer les pièces, à fouiller, quoi, à faire les repérages, trop relou. Ça, j'en ai fait plein au début. Mais c'est pas marrant, quoi. Bon bah, Usul, c'est fini, tu fais la gueule. Donc, t'as raté ton défi. On va voir ce que ça va donner sur tes statistiques Vipède.
toute manière... Rien, t'as fait exprès de prendre un truc dur par rapport à mon stade, à mes stats vipèdes. Donc forcément que je me chie, quoi. Évidemment, mais c'est un échec critique. C'est le but, c'était de te faire progresser aussi. Ouais. Si j'avais pris un truc où t'es fort, t'aurais réussi. Il n'y aurait pas eu de défi du challenge. Bah si, tu prends un truc où je suis fort et tu me donnes une épreuve dure. Comme ça, je joue bien. Tu me mets pas un truc où je suis déjà mongolien et tu me... Et en plus, tu me le mets en hard, histoire que j'ai vraiment pas le droit à l'erreur. Trouver la combinaison du coffre, ok. On peut dire que c'est une petite réussite. Ah, t'as réussi la première mission. Je me sens humilié. Ça va beaucoup mieux maintenant que c'est fini, parce que je retoucherai plus jamais à ce jeu de merde. Enfin, c'est peut-être un très bon jeu, mais Hitman, ça correspond pas à la manière dont moi j'aime jouer. J'aime pas chercher des trucs, j'aime pas même chercher ce qu'il faut faire, j'aime pas chercher des trucs, et j'aime pas me paumer non plus, j'aime bien savoir où faut aller. On est en effet beaucoup plus dirigé dans les jeux d'aujourd'hui, on se paume beaucoup moins. C'est un truc que j'avais beaucoup apprécié dans Mass Effect, c'est que tu te paumes pas, quoi. Tu vas tout droit, tu finis ta mission, et c'est bon, c'est fini. Là, tu peux te paumer à mort pendant des plombes. Le truc des coffres, c'est horrible. Je trouvais un coffre, c'était jamais le bon. Et je savais même pas pourquoi c'était pas le bon. Je savais pas que les coffres, c'était aléatoire. C'est affreux, c'est juste vicieux comme mécanique. Je sais, en fait, il s'agit de déterminer si c'est de ma faute ou si c'est de la faute du jeu aussi, un peu. Et je trouve que c'est en grande partie ma faute. Le jeu est pas clair, mais je crois que ça fait partie du charme du jeu et que ceux qui trouvent sont très contents de trouver, d'autant plus contents qu'ils ont pas été dirigés comme des débiles. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui les jeux sont trop dirigistes, parce qu'il y en a qui aiment bien chercher, qui aiment bien trouver. C'est pas mon cas. Moi, c'est pas mon cas, c'est pour ça que j'ai un mauvais score en intelligence et en perception. J'aime pas chercher, je me repère mal, j'aime pas ça. Et plus ça avançait, plus je découvrais à la fois combien la map était grande, combien je peinais à rassembler ce qu'on me demandait de rassembler, combien je... Et j'ai toujours pas vu le mec à assassiner à la fin, quoi. Donc, plus ça allait, plus j'étais démoralisé. Et même avec une heure de plus, je suis pas sûr que j'aurais réussi. Si, une heure peut-être, mais... J'ai fini le premier niveau. Le premier niveau, quand j'ai gagné, j'étais pas content. J'ai terminé parce que j'ai passé une heure dessus, et t'y arrives, et... À la fin, t'es pas content, parce que tu te dis... J'ai trop galéré, et ensuite, c'était pas compliqué ce qu'on m'a demandé, et j'ai même pas été foutu de le faire, et quand t'y arrives, tu te dis juste, putain, enfin. Et je crois pas que ce soit de la faute du mode hard, c'est de la faute de mon mode débile, juste la première mission. La quatrième, je la trouve très dure. Je trouve ça très 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 dur. J'ai trouvé ça très très dur de... J'aurais préféré juste qu'on se tire dessus. Ça aurait été mieux. Mais en gros, même le background de... Même l'atmosphère du jeu, j'ai pas aimé, je l'ai trouvé angoissante, j'ai trouvé la musique pesante, j'ai trouvé les personnages, les doublages très désagréables, ils se parlent. Je sais plus quel jeu, ça m'a rappelé un jeu. Ça m'a rappelé les vieux jeux où en gros le doublage était bof. Et là le doublage est vraiment pourri, on n'a pas joué avec le doublage français, je sais pas si y a un doublage français, mais c'était vraiment horrible. Donc tout concordait à créer une ambiance nulle où il fallait faire des trucs chiants. Donc c'est plus jamais Hitman, plus jamais. Peut-être que les nouveaux sont plus fun, à mon avis les nouveaux ils ont dû les rendre plus accessibles, Absolution, il a l'air d'être un peu plus accessible. Mais là c'est austère, putain c'est austère. Non c'était naze. Merci Dorian.